Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un vidéo test sur Sonic Rush, un jeu développé par Sega naturellement, sorti en 2005 sur Nintendo DS. Let's do it. Pour l'instant, je vais vous montrer le menu principal qui est vraiment très classique. Là, on a un mode option, contre la montre, combat pour le multijoueur. Et jeu juste pour jouer, tout simplement, faire une nouvelle partie. Bon. Et dans le mode option, c'est quand même assez simpliste, mais on peut voir qu'on a téléchargé des mots. Donc qu'est-ce donc cela? Bah, c'est tout simplement en fait la démo que l'on upload sur une autre Nintendo DS qui n'a pas le jeu. Pour que la deuxième personne ayant une Nintendo DS sans le jeu Sonic puisse y jouer en local, en multijoueur local sur ce Sonic Rush. Donc ça y était pas mal sur pas mal de jeux DS. Bon, un peu moins sur 3DS, il y a eu moins de mode local comme ça sur 3DS, hélas. En tout cas, c'est bien d'en parler, parce que le mode multi en plus de Sonic Rush était quand même assez complet. Il me semble qu'on pouvait choisir, enfin, dans mes souvenirs lointains, parce que bon, c'est Sonic Rush, c'est un peu la nostalgie là. C'est le test de la nostalgie parce que ça fait des années que j'y joue. Bon, ça fait des années aussi que je n'y ai plus joué. Et là, le reprendre en main, ça fait bizarre. Ça ressasse le passé. Et franchement, j'en avais de très très bons souvenirs de ce Sonic Rush. Eh bien, mes souvenirs ne sont point biaisés. Mais en tout cas, pour parler de ce mode multi, ouais, il était assez complet. On pouvait faire quasiment tous les actes. Et c'était un mode versus classique. C'est le premier arrivé à la fin de l'acte à gagner. Sachant que c'était assez bien foutu, hein, on pouvait se voir dans la même map, on n'était pas séparés. Donc ça c'est plutôt pas mal, je tiens à souligner cela parce que c'est vrai que sur DS, généralement les modes multi ne sont pas sensationnels. Là on a un bon mode multi. Voilà, après contre la montre, le classique, et c'est le combat, voilà le mode multijoueur. Faut voir là-dessus, hop, on peut jouer combat téléchargé ou soit combat sans fil DS. Combat sans fil DS, je pense que c'est si l'autre DS a le jeu. Donc évidemment, on a plus de contenu, je pense. Donc let's do it. Please select your character. Alors, je vais sélectionner Sonic. Mais voilà, on peut voir qu'on a le choix entre Sonic et Blaze the Cat. Bon, je ne sais plus si on avait que Sonic au tout début. Mais en tout cas, normalement, on a Sonic et Blaze the Cat. Mais on n'a pas ça. Ça, on le débloque par la suite en trouvant toutes les émeraudes du chaos. En les récupérant toutes. Et puis ça, c'est juste en fait, c'est juste le boss final. Hein. Y a pas... C'est pas un mode histoire en plus et tout, hein. Ne vous attendez pas à un truc de fou. Même si le boss final est plutôt réussi, il est pas trop mal. Mais voilà, je vais pas vous spoiler, je vais pas vous le montrer. C'est quand même un vidéo test. Déjà, c'est un petit spoil de montrer ça. en tout cas, voilà, on a le choix entre Sonic the Hedgehog et Blaze the Cat. Blaze the Cat, qui est, c'est sa première apparition. C'est la première fois qu'on voit ce personnage, donc c'est sûr, ce Sonic Rush. Personnage au design plutôt pas mal. Je vais prendre Sonic. Au design plutôt inspiré. Contrairement à Rouge par exemple. Bon. Un peu étrange quand même. Et bon, il y a pas mal de design un peu loupé dans les Sonic. Parce que j'ai beau être un fan de Sonic. La plupart des personnages dans Sonic ne sont pas tous réussis. Là, je tiens à souligner que Blaze est plutôt réussi. Donc voilà, là on se retrouve dans la carte du monde, le hub central du jeu. Alors on peut sélectionner, bon il y a Tails qui me saoule un petit peu hein, en disant yes à chaque fois. Vain Dieu, Tails arrête de me couper la parole. Donc on a le choix entre les différentes zones du jeu.
Donc évidemment là j'ai débloqué toutes les zones. Il n'y en a pas énormément, hein, c'est... la durée de vie elle est plutôt classique. Voilà, on a 7 zones en tout, dont 2 niveaux pour chaque zone. Donc voilà, 14 niveaux en tout, avec en plus évidemment un boss pour chaque zone. Et le boss final qui est dans F-Zone à la fin. Attendez, ouais, y a bien qu'un boss dans celui-là. Oui, c'est ça. Je préfère être sûr. Je vais vous montrer... Bon, je vais vous mettre la première zone, hein, le classique. On va commencer là-dessus. Tac. Il y a toujours un système de notation. Comme dans la plupart des Sonic. Et là, vous allez voir. Le jeu est assez joli. Hop. Parce qu'en fait, c'est... Généralement, c'est... La plupart du temps, c'est que de la 2D. Les décors, c'est que de la 2D. C'est assez rare de voir de la 3D. Ce qui est un point positif sur DS, parce que, bon, la DS et la 3D, c'est compliqué. C'est comme la PlayStation, quoi. PlayStation, première du nom. Hop. Et il n'y a que les personnages, généralement, les personnages principaux qui sont modélisés en 3D. Avec une modélisation, bon, pas trop dégueu non plus, mais bon, c'est digne d'une console 32 bits. Hop, là, je vais vous montrer comment accéder au niveau bonus pour pouvoir récupérer les émeraudes du chaos. Hop. Là, hop, forcément, on est sur Nintendo DS, donc... Il faut forcément qu'il y ait un petit côté tactile, hein, un petit côté digital, attention. C'est le turfu. Hop, et on dirige Sonic avec le stylet, tout simplement. C'est vrai que je peux pas trop vous montrer. Je ne filme pas vraiment ma DS. D'ailleurs, je pense que c'est le genre de jeu qui doit être... enfin, pour les niveaux bonus, il doit être quasiment impossible à faire en émulation. Parce que bon, avec une souris, tu cliques sans arrêt. C'est pas génial. Ah, parce qu'on peut émuler le stylet avec une souris. Mais bon. C'est pas génial. Hop. Là voilà, faut appuyer tout simplement sur les numéros correspondants. Enfin, dans un ordre précis, tout simplement. 1, 2, 3. Voilà. Niveau CP, les gars. Hop, là ça commence à être un peu plus compliqué. Évidemment, faut surtout pas toucher les pics. Et ouais, bah je n'ai toujours pas dit, mais oui, c'est complètement inspiré ce niveau bonus là, comme ça. Les niveaux bonus de ce Sonic Rush sont complètement inspirés des niveaux bonus de Sonic 2 sur Mega Drive. Parce que bah, on voit Sonic dans un plan à la troisième personne, la caméra qui le suit à l'arrière. Et on court sur un espèce de cylindre coupé en deux. Donc, enfin une cuve, c'est plus simple de dire comme ça. Donc c'est un peu le niveau bonus nostalgique. Bon, évidemment, là c'est très fluide, vous avez vu, le niveau bonus se fait de façon précise, contrairement à la Mega Drive. Et surtout, on n'a pas de Tails qui nous énerve derrière. Qui se prend tous les pics. Voilà. Hop. Ah oui, mais je vous ai même pas parlé du... Parce que c'est un gameplay boost. Je pense que vous l'avez remarqué depuis. Donc on retrouve le gameplay boost qu'on a dans Sonic Unleashed. Donc au final, en fait... Au final, ce Sonic Rush... c'est via ce Sonic Rush qu'on a eu le boost dans Sonic Unleashed, finalement. C'est pas vraiment dans Sonic Unleashed qu'on a eu le gameplay boost en premier. C'est quand même important de souligner ceci. Ah, quoique, je voulais pas montrer celui-là. Je vais montrer la deuxième... Voilà, c'est la deuxième zone. Je trouve le niveau très beau de celui-ci. Il est très réussi.
Et si vous avez suivi il y a de cela assez longtemps, je crois que ça fait 2 ans, un live sur Sonic Generation, et bien il y a eu un mod sur ce niveau là. Voilà. Sur cette zone là spécifiquement, mais en 3D. Et refaite complètement avec le moteur de Sonic Generation. Donc c'était vachement stylé. Ah, j'ai un peu fail. Et c'est un niveau avec quand même... je trouve un bon level design. Généralement, le level design des actes bon, ne prennent pas énormément de risques. Il y a des bonnes idées, mais bon... Globalement, c'est du gameplay boost. C'est assez classique. Et c'est quand même, je trouve, le level design est un peu moins soigné qu'un Sonic Advance premier du nom. Bon, par contre, c'est mieux que Sonic Advance 2 et 3. Ça se situe un peu en dessous de Sonic Advance 1, mais Sonic Rush, pour moi, est quand même un très très bon Sonic 2D. Après, évidemment, ils ont fait un level design plus approprié pour le boost. Donc quelquefois il peut y avoir des ennemis que l'on voit au dernier moment qui sont presque impossibles à éviter parce qu'en fait c'est à ce moment-là, voilà comme là. Donc c'est à ce moment-là qu'il fallait en fait utiliser le gameplay boost. Donc il faut vraiment connaître les niveaux. Ou pas mal utiliser le boost. Et en toute façon c'est ce que demande la plupart des Sonic, c'est de bien connaître les actes, de les refaire plusieurs fois, il y a plusieurs embranchements, etc. Pour pouvoir avoir la meilleure note possible. Ah, c'est toujours du retry. C'est pour ça que Sonic, généralement, c'est pas très long, mais c'est un très bon replay level. Bon, je vais faire celui-là, parce que la pyramide, c'est plutôt sympa quand même. Hop. J'ai toujours pas dit, mais ça a été composé par le compositeur. Enfin, les musiques que vous entendez en fond, les musiques du jeu, ont été composées par le même compositeur que Jet Set Radio, sorti sur Dreamcast. Hop. Et ça se voit parce que on reconnaît tout de suite son style. C'est très musique dance, électro, c'est un petit côté Daft Punk, mais en mieux. En plus inspiré, parce que c'est moins répétitif qu'un Daft Punk quand même, sonoriquement. Ah, et aussi on peut faire voilà, des acrobaties, comme vous pouvez le voir. Quand on est dans les airs, il faut appuyer plusieurs fois sur B, Sonic il fait plusieurs tricks. Hop, plusieurs pauses. Et quand on appuie sur R vers le haut ou R sur le côté, ça nous permet de nous projeter soit sur le côté, soit vers le haut, un petit peu. Un petit peu vers le haut, parce que c'est un petit deuxième saut, entre guillemets, pour des fois se rattraper si on est un peu dans la mouise. Si on n'a pas bien appréhendé le saut. Non, non, attendez, je vais vous montrer ça. Sur ce tremplin, par exemple. Hop, si on fait ça, hop. Là, j'ai fait vers le haut, il fait un petit saut. Sinon, on appuie sur... Elle va me faire écraser, c'est magnifique. Si on appuie sur... bon, je vais changer de niveau. Ou faut que je vous en montre le plus possible. Attends, c'est où la zone avec le bateau? Ah voilà, le porte-avions, c'est pas mal. Je vais vous montrer vite fait Blaze après, mais... Le problème de Blaze the Cat, c'est que... Ah, je viens de me fail. Le problème de Blaze the Cat... Hop. C'est qu'en fait, elle reprend complètement les mêmes niveaux que Sonic. Voilà, donc c'est pas vraiment un mode histoire en plus. C'est un deuxième loop avec Blaze the Cat à la place et les niveaux qui ne sont plus dans le même ordre. Par exemple, l'acte 1 de Sonic, enfin la première zone avec Sonic, c'est, il me semble, la deuxième zone avec Blaze the Cat. Voilà. Les zones ne sont plus dans l'ordre. Comment augmenter la durée de vie artificiellement? Ces gars ont tout compris. Donc un peu déçu à ce niveau-là.
Bon, après, à l'époque, quand même, j'étais jeune, et quand j'avais eu le jeu vraiment en fin 2005, quand je venais toujours juste d'avoir la DS, avec ce jeu, et Rayman, par la même occasion, Rayman 2. Hop. Et là, je peux vous dire que, bon, j'ai pas été vraiment déçu sur le coup. Malgré le fait que ça soit les mêmes niveaux avec Blaze the Cat, bon. J'étais encore assez jeune pour me dire, ah, mais c'est trop bien, refais le jeu. What? Ah, par contre, là, j'ai pas trop compris, j'ai fait un boost et... il s'est écrasé, je ne sais pas comment, il y a eu un petit bug. Bon, comme quoi. Bêta testeur. Voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, quand on fait les acrobaties, on gagne des points, etc. pour avoir une meilleure note à la fin. Sachant que si on répète les mêmes acrobaties sur le même bumper, eh bien voilà, on gagne de moins en moins de points et surtout, bah, on remplit de moins en moins la jauge de boost qui se trouve à gauche. Ah bah tiens, d'ailleurs, là, je la remplis plus. Et si je continue... et que j'appuie sur A, en fait, je ne peux plus faire d'autres acrobaties. A, c'est vraiment le truc qui conclut les tricks. Les tricks. Ah, j'ai du mal avec l'anglais, des fois. Top. Ah, ça permet de remplir la jauge de boost. Mais le truc, c'est que l'acrobatie là, avec A, pour finaliser les tricks, bah, permet de remplir à donf, en fait, la jauge de boost. De plus la remplir. Donc c'est pas mal. Sachant que les acrobaties avec R sur le côté ou en haut, ces acrobaties-là nous fait pas gagner. Ah là on a eu un petit lag. Mais ça c'est normal. Ça ne vient pas du tout de la capture. C'est assez rare, mais le jeu peut un petit peu ramer. Et il reste très jouable. Hein. Mais c'est très rare. Hein. Généralement quand même on est à du 60 FPS, très fluide. Hop. C'est même quasiment le seul endroit où ça rame un petit peu. Ah, il y avait une one-up. Voilà, voilà, regardez. Là, voilà, la zone, la jauge se remplit très rapidement. On a une première jauge en bleu, une deuxième jauge en orange et une troisième jauge en rouge. Et quand la troisième jauge rouge est complètement remplie, alors vous voyez que la jauge de boost, en fait, elle brille. Et que Sonic, voilà, il est en train de changer de couleur à moitié. Il devient un espèce de Super Sonic. Et je trouve. Il me vu en D. Quand on se fait toucher, bah, ça fait descendre la jauge direct. Et quand Sonic est à moitié orange, quand il devient rouquin, et bien tout simplement, on peut utiliser le boost à l'infini sans que la jauge descende. Sauf qu'au bout d'un moment, la jauge, évidemment, elle va s'arrêter de briller. Voilà, parce que c'est la petite étoile qui est tout en haut de la jauge. C'est assez compliqué hein, d'expliquer, pourtant c'est tout simple. C'est assez compliqué d'expliquer pourquoi je suis rentré dans ces détails. Bon, c'est pas grave. Continuons. Hop. Et du coup, voilà, regardez, hop. Là, l'étoile, au début, elle était en train de tourner. Pour dire, voilà, là, vous êtes... la jauge est au maximal et du coup... vous pouvez utiliser le boost à l'infini, sans que la jauge descende. Et quand l'étoile arrête de tourner, enfin l'espèce d'anneau qui est autour de l'étoile arrête de tourner, eh bien la jauge hop descend d'un cran d'un coup. Et donc il ne reste plus que la jauge orange et bleue. Et pour pas que ça fasse ça, il faut continuer à faire des acrobaties tout le temps pour que l'anneau continue toujours à tourner autour de l'étoile. Pour avoir le boost à l'infini. Voilà, c'est assez technique, mais bon, ça permet d'avoir un bon gameplay. Fluide et stable. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vous ai même pas montré de boss. 20 dieux, en plus, les boss, ils sont tout en 3D. Je vais vous montrer celui-là. Plutôt, il est pas trop mal. Même si les boss, bon, ne sont pas non plus sensationnels. On a vu mieux dans certains Sonic, mais bon, après... pour un Sonic 2D,
il se défend bien. Pour un Sonic, pour un Sonic 2D, il se défend plutôt bien niveau boss. C'est vrai que généralement dans les Sonic 2D, les boss sont très anecdotiques. Là au moins on a quand même des vrais boss qui durent un petit peu longtemps. Peut-être un peu trop, parce que c'est vrai que faut à chaque fois les toucher 8 fois. Hop. Sachant que ils ont une sorte de deuxième phase quand on les a touchés 3 ou 4 fois. Mais bon, elle n'est pas bien différente de la première phase, c'est juste que le boss est un peu plus vénère, donc les attaques sont un peu plus rapides. Et un petit peu différentes, elles ont un petit peu changé. Après, la RNG reste à peu près la même quand même. Puis du moment qu'on a bien appris, les différents coups, les boss sont quand même vachement aisés et très scriptés. C'est un peu dommage à ce niveau-là, après... Pour un Sonic 2D, il se défend bien là-dessus. Hop. Et pour moi, c'est d'ailleurs... Sonic Rush est quand même... Un Sonic dont on en entend jamais parler. Ah, je joue très très mal. Qui n'a pas vraiment eu de très bonnes critiques, où il est passé un peu inaperçu. Peut-être parce que précédemment on avait... Quoique non, pas précédemment. Non, on allait avoir le Sonic 2006 qui est complètement raté. Ah, je fais n'importe quoi. C'est une catastrophe. Pour ce boss, ce n'est pas bien difficile. Heureusement, on a des anneaux à disposition, généralement 9 ou 12 anneaux sur certains boss. Ah ouais, on peut pas le prendre de vitesse comme ça. Attention, attention. Tac. Comme vous pouvez le voir, l'arène est plutôt bien faite. Pour de la DS quand même, plutôt pas mal. Évidemment, c'est pas non plus le plus beau jeu de la DS, mais il se défend plutôt bien au niveau de la 3D. Hop. Bon, mais ils sont gentils. Hein. Ah, ils sont gentils. Ouais, pour avoir la note C, il faut vraiment le faire exprès. Quand même. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Un deuxième petit boss. T'as le boss dans les airs, là, il est pas mal. Il est assez impressionnant. C'est le porte-avions ou c'est celui-là, je sais jamais. Ah ou non, je vais vous montrer quand on combat Blaze the Cat. Il y a un boss qui m'avait traumatisé à l'époque. C'est bon. En 2005, à l'époque, j'avais que 9 ans. Et un boss comme Blaze, c'était compliqué. Parce qu'en fait, à la fin, elle a une toute dernière phase, quand il ne lui reste plus qu'un PV. Où il faut bourriner comme un dingue les boutons. Alors même là, en le refaisant avant de vous faire le test, c'était assez compliqué. Il faut vraiment bourrer comme un dingue. Hop. Elle nous fait des petites esquives, attention. Hop, plus que 3 coups, enfin plus que 2 coups en réalité. Ah et attention, là, il y a cette attaque là. C'est plus compliqué que les autres à esquiver. Hop. Ouais, bon, le spin dash, ce n'est pas très efficace. Ah d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais aussi on a le homing attack. Je fais n'importe quoi là. Ah purée, elle se débrouille bien là, attention. Elle est vénère. Oh. Puis en plus, j'étais plutôt bien parti, juste à la fin, j'ai fait n'importe quoi. C'est toujours plus galère de commenter et de bien jouer.
En tout cas, ouais, il y a le homing attack, voilà. Donc c'est en faisant un saut et R, il fait un espèce de dash, c'est le homing attack. Après, c'est un peu le homing attack du pauvre, parce que il ne target pas vraiment les ennemis comme dans les anciens Sonic. Après, c'est le premier Sonic dans lequel on a le homing attack en 2D, dans un Sonic 2D. De ce côté-là, c'est pas mal, mais voilà, c'est un peu un mouvement qu'ils auraient pu éviter. Parce qu'en fait, on s'en sert quasiment jamais. Parce qu'en fait, ça peut loquer les ennemis, mais il faut vraiment être très proche des ennemis. Et être un peu au-dessus d'eux, sinon... Ça ne touche pas l'ennemi et on se fait plutôt toucher par l'ennemi. Voilà. Sonic ne se met pas en boule. Donc bon, c'est un homing attack un peu du pauvre. On est obligé d'être au-dessus des ennemis, vraiment. C'est plus histoire de dire, bon, il y a le homing attack, voilà. C'est un peu n'importe quoi là. Ah purée. Alors, le compositeur Jet Set Radio, il y a toute sa compo sur Deezer, j'étais assez étonné. C'est plutôt cool à ce niveau-là. Ah voilà, ça y est presque. Enfin, c'est plutôt tu y es presque, hein, You're More There, mais bon, c'est pas grave. Voilà, quelques bulles de dialogue comme ça. Alors, il y a quelques cutscenes comme ça avec des bulles de dialogue, mais bon, c'est un peu à l'arrache. Pas. C'est un peu le point faible du jeu. Alors, let's go, on va bourriner. Voilà, comment il s'appelle déjà le compositeur? Je vais regarder en même temps. En même temps que je bourre! Parce que j'ai son nom sous les yeux sur mon téléphone. Tout est préparé. Hideki Naganuma. A chaque fois j'oublie son nom. Voilà, il n'a pas fait que du Jet Set Radio, mais il est plus connu sur ce jeu-là. Donc moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ah, c'est ça, un style très électro, dance, type Daft Punk. Mais dans leur premier album, hein, pas le dernier album de Daft Punk qui est vraiment pas terrible. Franchement, le dernier album de Daft Punk, à part Get Lucky qui passe, les autres, c'est caca. C'est peut-être pas pour rien qu'ils ont arrêté. Bref, je vais vous montrer. Du coup, Blaze the Cat. Salut Tails. Bisous. Alors, on va choisir Blaze the Cat. Avec une voix sensuelle, forcément. Pour que ça fasse plus stylé. Et elle commence direct par le Night Carnival. Hop. Qui a une zone plutôt sympathique, après, sans plus. C'est un peu un... Enfin, vous allez voir. Hein. Esthétiquement, c'est vraiment... C'est vraiment la troisième zone de Sonic, Sonic 2, comment elle s'appelle déjà? Ah oui, j'ai un trou de mémoire. Avec les flippers. Oh là là. Monte à moi. Oh, je ne sais plus. C'est magnifique. Putain, je me souviens de Marble Zone alors que c'est une zone toute pourrave de Sonic 1. Et par contre, la deuxième zone qui est vraiment pas mal de Sonic 2, non. La troisième zone. Ouais. Alors avec Blaze the Cat, en fait, on peut... Hop. Bon, déjà, le saut, c'est un peu le... Il marche de la même manière que Sonic, hein, de toute façon. Juste qu'elle a fait un espèce de tourbillon enflammé. D'ailleurs, elle est basée sur le feu. Quand elle fait un boost, voilà, ça fait des flammes.
Bon, c'est plutôt stylé. Sinon, on peut, dans les airs, en fait, planer. Un peu à la Diddy Kong. Dans les derniers Donkey Kong Country de la Wii et de la Wii U. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, comme si... Ça a le même rôle que le jetpack de Diddy Kong. Et c'est assez utile. Mais d'ailleurs, voilà. Contrairement à Sonic, par contre, elle, quand elle se rattrape sur le côté, alors Sonic, lui, il donne un espèce de gros kick, un gros coup de pied. Elle, voilà, elle fait ça. Donc c'est juste une sorte de TP, enfin, une sorte de gros dash en avant. Alors qui à la fois permet vraiment de nous rattraper parce que c'est quand même un très gros dash. Pareil quand on va vers le haut, c'est un très gros dash vers le haut. Par contre, à contrario par rapport à Sonic, évidemment ce n'est pas une attaque, donc on peut se faire toucher par un ennemi facilement. Alors forcément il faut que. Faut qu'elle ait un point faible, hein, parce que sinon elle serait vachement cheatée par rapport à Sonic. Même si globalement elle est quand même un peu plus cheatée que Sonic. Hein. Et c'est un peu son seul point faible. C'est son dash à l'avant qui n'attaque pas les ennemis. Et bon, à côté de ça, voilà, il est tellement pété. Et puis le dash vers le haut permet, voilà, hop, de nous rattraper tellement facilement. Voilà, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais bon, c'était pour vous montrer le truc. Hop. Voilà, vous avez vu, voilà, je suis passé au travers de l'ennemi, mais ça ne l'a pas touché. Hop. Surtout qu'il faut bien maîtriser ça parce qu'on peut facilement se faire toucher avec ce dash. Car évidemment si on n'a pas un bon timing, on ne passe pas au travers et on se fait toucher. Tout est une question de maîtrise. Et évidemment vous avez vu ma skill, elle est diaboliquement pitoyable. On l'a bien vu face au boss à la fin. Contre Blaze, c'était compliqué. 245 anneaux, et oui, on a énormément d'anneaux sur le chemin, donc dans ce Sonic là, on a presque tout le temps des vies. Hein. Je ne pense que j'ai jamais eu un seul game over dans ce Sonic. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai que 5 vies seulement, là, avec Blaze. C'est un peu bizarre. Alors, peut-être que, ouais, bah, à l'époque aussi, je passais ma DS... Des fois, mon petit frère et ma petite sœur, et forcément. Ah, il y avait aussi Mario 64. Un de mes tout premiers jeux de la DS. Bon, j'ai commencé plutôt bien, quand même. Mais voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Là, c'est plus en conclusion, on va conclure. Donc sur ce, voilà, c'est... En fond, on va mettre un boss, tiens. Pour le fun, le 6, qui est plutôt pas mal. Il me semble que c'est l'espèce d'avion, là. Il me semble. Ah non, c'est pas celui-là. Ah, pff, ouais, il est pas génial, celui-là, mais bon, après, pourquoi pas. Bon, c'est un peu une refonte du tout premier boss, en fait. Qui est un peu plus fort, mais bon, il a à peu près les mêmes attaques. C'est juste que voilà, il a sa grosse attaque là quand il fait Everybody cool ou je sais pas quoi là. Je sais pas ce qu'il baragouine, Eggman. Là, cette attaque là nous one shot, même si on a des anneaux. Voilà, celle là elle nous one shot. Faut faire assez attention. Et puis aussi, il va utiliser, bah voilà, là, il va utiliser les deux canons sur le porte-avions. Pouvoir tout simplement nous shooter. Et bon voilà, c'est assez facile à esquiver. Hein. Je me mets dans un coin et... Généralement, ça passe. Il y a une petite animation quand on est vraiment au bord du truc. Mais bon, là, il y a un mur invisible, donc on peut pas tomber. Ah, attention, petite fourberie du boss. Une petite fourberie. Comme les joueurs de foot quand ils font une feinte
lors d'un penalty. Attention. La fameuse feinte de Messi. Bon, là, vous voyez, il est assez répétitif, plutôt simple à battre. Je n'ai pas trop compris pourquoi ils ont remis ce boss. Alors oui, il est plus rapide, mais bon. Pourquoi ils ont remis ce boss? C'est une refonte, en fait, du premier boss de la première zone. Ouais. Sans que ces gars, des fois, ils avaient un peu la flemme. Bon, globalement, voilà, le jeu est très propre graphiquement pour un jeu DS. Les décors en 3D, que ce soit en 3D ou en 2D, sont plutôt jolis. Pour la console. Alors, en 2D, évidemment, ça a très bien vieilli. En 3D, un petit peu moins. Hein, si bah, maintenant, on a les 3DS, même la Switch en console portable, forcément. Bon, à l'époque, faire de la 3D sur une console portable, c'était le turfu. Hop. Donc voilà, au niveau du gameplay, le jeu a un très bon feeling. Il est très très fluide. On retrouve les mêmes sensations un peu de Sonic Advance 2, avec un bon level design, quasiment aussi bon que celui de Sonic Advance 1. Hop. Et la notion, la physique avec les pentes est très fidèle aux anciens Sonic et est plutôt bien foutue, on a une bonne sensation de vitesse. En tout cas, il n'y a rien à dire au niveau de ce jeu, si ce n'est la durée de vie peut-être un peu trop faible là. Et aussi les cutscenes, qui ne sont pas très intéressantes, l'histoire en elle-même qui n'est pas fort palpitante. Hein. Bon, c'était plus histoire de dire, hop, on vous installe, allez, un nouveau personnage avec un design plutôt sympa. Voilà, c'est tout. Et on a remis Cream et Cheese. Hein. Cream, de toute façon, et Cheese, de toute façon, c'est les deux personnages. Je n'ai jamais compris l'intérêt de ces deux persos dans les Sonic. Fallait forcément mettre un lapin tout mignon, je ne sais pas. Enfin bref. Bon, on va changer d'écran parce que bon... C'est un peu malaisant avec cet écran en haut là de la DS. Avec cette danse, on ne sait pas trop ce que c'est comme danse. C'est peut-être la danse quand on joue à Beat Saber. Voilà. C'est coussi coussa, hein. des gestes pas vraiment trop sûrs, on est un peu stressé parce qu'il y a des notes qui arrivent. Ah, il faut couper tout ça avec nos sabres. Seuls ceux qui ont un casque à réalité virtuelle peuvent comprendre. Ah, bah là aussi, c'est un niveau plutôt sympa. Oh. Après, c'est pas non plus. Au niveau de la direction artistique, c'est pas non plus, ils ont pas pris de gros risques. Là, ça reste assez classique, je trouve, très méca. On est sur un espèce de vaisseau là où je sais pas trop quoi. Le porte-avions est plutôt une bonne idée, par contre. C'est assez original. Comme aussi la deuxième zone, la zone aquatique qui est vachement stylée. Qui a un côté un peu. Je me viandais. Un peu Djerba en Tunisie, je sais pas, c'est un peu ce côté là avec les bâtiments qui sont très blancs, des couleurs très très un blanc très épuré. Hop. Et porte-fenêtre en bleu forcément. Je sais pas, pour moi ça fait très Tunisie. Bon voilà, sur ce, après ces deux magnifiques fails, je vous dis à l'arvoyeux pour de nouvelles aventures et pour
un vidéo test sur prochainement Sonic Adventure Rush. Non, je ne sais plus son nom exact. Rush Adventure, c'est ça. À la revoyure.